Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un moment que vous me demandez quand on va pouvoir se rencontrer, pour pouvoir parler peinture, pour pouvoir tout simplement échanger. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça sera ce samedi. Voilà, je vous propose de nous rencontrer donc le 19 au Domaine Lyonnais pour le fascinant week-end des vignobles et découvertes. Alors, qu'est-ce que c'est? Cet événement, il est super. Ça va vous permettre, en fait, autour de Cornas, de découvrir plein de vignobles, de participer à plein d'activités différentes, de découvrir différents vins, mais pas que, hein. Il y a plein d'activités autour de tout ça. Donc je vous mets le programme ici, hein. Vous pouvez regarder tout ce qu'il y a à faire. Mais moi je vous propose samedi, je serai présent entre 9h et 17h, voilà, ça vous laisse quand même du temps. Donc si vous êtes de la région, vous pouvez venir me faire un coucou et venir aussi surtout découvrir le domaine lyonnais, domaine viticole qui existe depuis 1575. Ils sont vignerons de père en fils depuis cette date-là, je vous laisse imaginer. Donc Corinne et Ludo, deux passionnés, vraiment, qui vous parleront de vin avec beaucoup de passion. Et ils vont vous expliquer justement l'histoire du Cornas, l'histoire du domaine, quelles sont leurs méthodes de vinification, pourquoi ils font du bio. Vraiment, c'est eux qui ont réussi à faire aimer le vin rouge il y a quelques années, et pourtant, c'était vraiment pas gagné. Donc, je suis absolument fou du Cornas, et vraiment d'autant plus de ce vin-là. Et je dis pas ça parce que c'est ma belle famille, hein. Je parle en toute objectivité. Voilà, donc, je vous invite à découvrir, vous pourrez venir pour leur parler. Il y aura aussi l'Elanas. Alors l'Elanas, qu'est-ce que c'est? C'est une chocolaterie artisanale, assez jeune finalement, et qui est menée par deux frères, eux aussi totalement passionnés, hein, autant le dire. Et vraiment, je vous invite à venir découvrir leur chocolat. Très surprenant pour certains, des compositions et des combinaisons qui sont, vous verrez, qui peuvent surprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils suivent en fait tous les conseils de leur père, qui a 30 ans d'expérience dans le métier, donc une solide expérience. Et le but, c'est d'utiliser du chocolat Valrhona pour le transformer, pour le sublimer et faire, comme je vous l'ai dit, des combinaisons assez surprenantes. Donc vous pourrez venir déguster gratuitement et découvrir les différents chocolats qu'ils peuvent vous proposer. On pourra discuter ensemble, vous pourrez découvrir ou redécouvrir, si ça vous dit, mes différents tableaux que je vais exposer là-bas. Surtout que j'en exposais pas mal finalement, parce que j'ai pas mal de plages, je vais avoir les chevalets d'exposition, donc je vais essayer de vous montrer pas mal de tableaux. Donc petite précision, contrairement à pas mal d'événements qu'il y a pendant ce week-end, nous l'entrée est totalement gratuite. Vous pouvez venir au domaine pour manger quelques chocolats, parler vin et parler peinture, c'est totalement gratuit. Je vous le redis, c'est de 9h à 17h. Donc pour l'adresse du domaine et la liste de tous les événements, je vous mets le programme ici avec le dépliant, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous avez quelques questions d'ici là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message en privé, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Bon, en tout cas, je compte sur vous. Je compte sur vous. C'est important pour moi de vous rencontrer parce que je suis toujours seul à parler derrière ma caméra et je peux pas mettre de visage sur vous tous, ce qui est vraiment dommage. Et donc, j'espère vraiment que vous serez nombreux et je suis certain qu'on passera un excellent moment. Je vous dis à samedi, samedi 19, entre 9 et 17h. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Et bien sûr, il y aura une deuxième vidéo, hein, qui va sortir cette semaine, qui sera disponible dans quelques jours. Allez, à samedi et excellente journée à vous.